C'est étonnant, non? Pour moi, le rasage n'est plus une corvée. Depuis que j'utilise Exit, le premier rasoir jetable avant usage. Exit, la légèreté de la plume au service du poil. Exit. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ce journal de quatre saisons est exceptionnel dans la mesure où, dans quelques instants, nous allons être les premiers au monde à vous souhaiter une bonne année, environ 13 heures avant tout le monde. C'est une grande première, c'est aussi une initiative courageuse d'Antenne 2 qu'il faut saluer ici. Attention. Bonne année. Joie, allégresse, alléluia. Et tout de suite, les titres du journal. Menace de guerre civile au Burgistan oriental, dont le chef spirituel Abraham Ayaziz réveillonnera ce soir à Pigalle. Dramatique naufrage au large des îles de la Bouise, où le paquebot Vaillance coule avec ses 2000 passagers qui devaient réveillonner ce soir à Pigalle. Grande première cette nuit à l'hôpital de la Sauve-Dieu à Nîmes, l'équipe du professeur Blouchard a tenté la première greffe totale d'un pied sur une tête. La tentative s'est soldée par un échec, ce qui n'empêchera pas le professeur Blouchard de réveillonner ce soir à Pigalle. Mort prématurée ce matin à Francfort du grand dramaturge allemand Helmut Inauslehnen, dont la jeune veuve réveillonnera ce soir à Pigalle. 112 000 poulets, 34 000 dindes et 22 000 cochons de lait sur la défensive dans la région parisienne. Ils réveillonneront ce soir à Pigalle. L'actualité du Nouvel An, ce n'est pas seulement le réveillon. Et au cours de ce journal exceptionnel, nous aurons deux duplex exceptionnels, dont l'un avec le Vatican, au cours duquel le pape nous présentera ses vœux, et c'est encore une exclusivité Antenne 2. Pour commenter cet événement, nous avons auprès de nous l'abbé Jean-François Prévost, qui n'est autre que le sous-secrétaire général chargé des questions œcuméniques auprès du Saint-Siège. Deuxième événement exceptionnel dans ce journal, en direct de l'Élysée, les vœux du président de la République. J'ai à ma gauche sur ce plateau M. Mathieu Prévost, qui n'est autre que le directeur de cabinet. Non, monsieur sous-directeur, excusez-moi. Qui n'est autre que le sous-directeur de cabinet attaché à la. Détaché. Monsieur sous-directeur détaché. Il est sous-directeur détaché, détaché à la présidence, auprès du président, ce qui en fait en quelque sorte un proche du président. Affirmatif. La Saint-Sylvestre, c'est aussi la joie. Et la joie, c'est le cotillon. Mais attention, il y a cotillon. Et cotillon. Et pour aborder ce problème grave et important, nous avons auprès de nous M. Claudius Marcel Prévost, qui est vice-président de l'Office national de la consommation. Et pour terminer, nous avons sur ce plateau une invitée exceptionnelle, en la personne de Mademoiselle Denise. Mademoiselle Denise, oui, je ne donne que son prénom, car Mademoiselle Denise a tenu à garder l'anonymat pour des raisons évidentes à l'approche du réveillon. Mais tout de suite, Rome, à vous, Clovis Prévost. À vous le Vatican. Ici Clovis Prévost, en direct de la place Saint-Pierre de Rome. La place Saint-Pierre qui, comme vous le voyez, est noire de monde aujourd'hui. Dans quelques instants, le pape va apparaître à son balcon pour présenter ses vœux aux chrétiens du monde entier. Dans quelques instants, le pape va apparaître à son balcon pour présenter ses vœux aux chrétiens du monde entier qui sont venus nombreux sur la place Saint-Pierre à Rome. Ici Clovis Prévost, en direct de la place Saint-Pierre, qui, comme vous le voyez, est noir de monde, le pape va apparaître à son balcon pour... Ah, nous avons un petit incident technique avec Rome. Père Prévost, je profite de cette légère interruption de l'image pour vous poser une question qui est fondamentale. Pensez-vous que les vœux que le Saint-Père prononcera tout à l'heure seront porteurs d'un message exceptionnel? Oui, alors là, je crois que ce qui préoccupe sa sainteté, c'est l'ouverture. L'ouverture à périté finesse, c'est-à-dire ouvrez les frontières.
Et ça, quoi de plus significatif que ces deux mots, n'est-ce pas? Et on peut saluer la politique courageuse du Saint-Père. Et est-ce que vous savez, par exemple, que l'Église, auparavant, a déjà tenté plusieurs ouvertures? Et là, disons que si l'on arrivait... Pour donner une image un petit peu, si l'on arrivait à un léger entrebâillement, peut-être que la colombe de la paix pourrait reprendre son vol. Oui, alors je pense que nous avons la liaison avec Rome de nouveau. Oui. Ici Clovis Prévost en direct de la place Saint-Pierre à Rome, la place Saint-Pierre qui est... Décidément, je crois que nous avons des problèmes avec, avec Rome. Clovis Prévost, vous m'entendez? Clovis, vous me rappelez dès que la liaison avec Rome pourra être établie, hein? Bien, alors je pense, en revanche, que nous sommes maintenant en mesure de retrouver le président de la République à l'Élysée. Non, on n'est pas en mesure. Bien, ce soir, vous serez nombreux à vous lancer des confettis. Vous savez que les confettis sont très importants. Les confettis sont à la base de l'humour français. Les Américains ont Jerry Lewis, nous avons les confettis. Et il existe en France un collectionneur de confettis. Alors, monsieur Coudrier, vous collectionnez les confettis? Les quoi? Les confettis! Ah oui, c'est exact, j'en ai 257 843 à ce jour, tous classés. Mais dites-moi, ça vous est venu comment cette passion pour les confettis? Ah ben, c'est très simple, dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé à déchirer mon premier journal, vous voyez, comme ça. Non, vous n'avez qu'à me raconter. Oui, j'ai déchiré en 2, en 4, en 8, en 16, en 34, en 38, 64, 65, 66... Bon, oui, bon, d'accord, bon, mais oui. Dites-moi, on pourrait peut-être les voir ces confettis. C'est quoi? C'est confetti! Ah oui, si vous voulez, monsieur Desbroches, suivez-moi. Desbroches, c'est un père. Et voilà! Et voilà, voilà mon laboratoire. Tout ça, c'est à moi. C'est joli, hein? Oui, c'est joli, oui. Voilà. Alors, je vais vous montrer ici, j'en ai sorti un spécialement, voyez-vous, oui. Tenez. Voilà. Voilà, vous voyez ce... Ah! Non, pas de ça, Lisette. Alors, monsieur Lisette, voyez ici, vous avez la date, voyez, ouais. 1918, n'est-ce pas? Oui, c'est une excellente allée pour le Beaujolais aussi. Alors, je la retourne, voyez, ouais. Et je vois la lettre A. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est A. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce dans que ces vous cas-là faites, oui. Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je prends le registre. Oui. Vous me tenez ça? Oui. Ah, attention, vous non, le tenez non, droit, non, vous le tenez droit. Je prends le registre. Oh, mon gars! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas, il n'est pas cassé! Faites-moi! Attention! Mais c'est pas celui-là! Mais c'est pas celui-là! C'est celui-là! C'est celui-là! Allons! Tenez-le, vous le tenez! Vous le tenez pas! Non! On va pas recommencer, allons! Allons, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, alors, la lettre A, 1918, qu'est-ce que je fais? Je consulte le registre et je vois quoi? Je vois, vous lisez ici, monsieur Desbroches, j'aime pas beaucoup. Desbroches, c'est un peu. Voilà, ce confetti a appartenu à Abel Coudrier, qu'il avait trouvé dans la poche d'Eugénie Grimard, au bal de la Pentecôte à Saint-Pierre du Vivandrey, et voilà. Et cette Eugénie Grimard aura l'honneur d'être ma grand-mère. Oui, c'est comment le savez-vous? C'est marqué la fin du truc. Voilà, tenez, ouais, je voulais vous montrer celui-là. Regardez, santé, monsieur Desbroches, santé bien. Eh bien, vous voyez, ce confetti, bon, ouais. Il a un parfum, ah, oui, il a un parfum. Mmh. Eh bien, il a appartenu à Madame de Maintenon, qu'il avait reçu à un bal costumé à Versailles. Et c'est Louis XIV qui lui avait envoyé de la main gauche. Voilà, j'en suis très très fier. Qu'est-ce qu'il faisait de la main droite? Oui, monsieur Desbroches, une surprise. Ah. Regardez. Ah, quelle horreur! Hein? C'est le plus grand... Monsieur Coudrier, je vous en prie, cachez-moi ça. Non, parce qu'il y a... Non. C'est le plus grand confetti du monde. Ah, c'est un... Non. Il est monstrueux, hein? Mais quelle dimension il a, c'est... Eh bien, je vais le sortir. Non. Laissez-le dans la... Je vous en prie, laissez-le. Non! Laissez-le dans la boîte. N'ayez pas peur, vous êtes avec moi. Vous ne craignez rien. Bien, alors, nous avons de nouveau Clovis Prévost en ligne. À vous le Vatican. Oui, effectivement, la place Saint-Pierre à Rome est de plus en plus noire.
Hein? Ah bah alors, non mais décidément, on n'a vraiment pas de chance avec le Vatican ce matin. Mon père... Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr, nous n'avons pas de chance. Ce que je voulais simplement dire, c'est que on a pu constater, si vous voulez, à propos du dernier concile, qu'un certain laxisme s'instaurait dans l'Église. Alors, certains, pardonnez-moi, j'allais dire de mes confrères, certains pencheraient pour un tour de vis que donnerait le pape, n'est-ce pas? Et ce tour de vis qui permettrait l'ouverture afin de tendre les bras vers ceux qui sont à l'extérieur. Et ce qui éviterait à notre Église un schisme qui serait fatal à elle-même. C'est ce que je voudrais un petit peu mentionner à propos de ces images qui nous sont venues et qui, effectivement, bon, paraissent un petit peu... je ne connais pas sur le plan technique. Je pense qu'il faut prier. Eh bien, maintenant, place à la joie, place à l'allégresse, place au cotillon. Grâce à Monsieur Claudius Marcel Prévost, qui donc s'occupe spécialement à la consommation du problème des cotillons. Est-ce que on peut essayer quelques cotillons directement au plateau pour nos spécimens? Oui, volontiers, oui. J'ai amené justement quelques spécimens parce que oui. Les cotillons, c'est ma spécialité. Alors bien sûr, à l'Office national, nous avons un département cotillons. Et moi, vous êtes spécialement chargé, Monsieur Prévost a travaillé pendant... J'ai travaillé pendant un an uniquement sur le problème des cotillons. Oui, pour essayer, pour ce soir, les cotillons qui feront la joie dans toutes les familles. Voilà, ça ce que je voulais dire. Alors, si vous voulez, il faut bien se fier. Il y a plusieurs sortes de cotillons. Il y a cotillons. Bon, alors, les cotillons. Quatre sortes de... C'est ça. Il y a plus que ça. Non, parce que vous disiez cotillons. Enfin, voilà. Si vous voulez, voilà, celui-ci, il est très, très bon. Ouais. Ça, quand on entend un bruit comme ça, qui déclenche automatiquement le rire, on peut dire, on peut le prendre. Tenez, voulez-vous l'essayer? Voilà. Oui, celui-ci n'est pas polluant, encore qu'il a quand même il a pas mal de colorants dans celui-ci. Non, il y a pas de colorant. Justement, j'allais y venir. Non, il y a pas de colorant. Justement, là, alors, il faut pas tromper non plus les téléspectateurs qui sont consommateurs. Oui. Hein? Dans ces deux-là, il y a des colorants. Dans ces deux-là, voyez, nous les avons testés. Maintenant, alors, j'ai une autre chose qui est très amusante et qui est celle-là vraiment assez formidable. Voilà, c'est le fauné. Je le montre aussi. Oui, ça se fait depuis un moment déjà. Mais il faut se méfier. Il faut regarder la barbe, qu'elle tienne bien. Oui. Parce qu'il y a, des magasins qui ont tendance à vendre des postiches, c'est ça, qui, en général, la barbe tombe. Oui. Et ça, justement, il faut le dénoncer à l'Office national de la consommation, 37 avenue d'Anjou, Paris 14e. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Bien volontiers. C'est irrésistible, ça fait un effet... Je pense que nous allons faire rire nos téléspectateurs. Voici la chose mise en place. Le rire est assuré. Attendez, oui, une seconde. Allô? Oui, eh bien, je crois que nous sommes prêts maintenant, complètement prêts pour avoir l'Élysée. Française, Français, bonne année. Voilà bientôt 4 ans que je suis été élu. Oh non, ça va pas. Je pense malheureusement qu'on a un petit problème de liaison avec l'Élysée. Mathieu Prévost, vous qui êtes si près du président, est-ce que vous pensez... Nous avons préparé cette opération avec Antenne 2 et le journal des 4 saisons. Vous n'êtes pas prêt et je m'excuse. C'est moi qui m'excuse, monsieur. Oui, mais non, mais cela dit, vous auriez pu faire attention avant. Oui. Française, Français, bonne année. Voilà bientôt 4 ans que je fus été élu. Non, ça va pas. Ah, je crois que nous avons encore un petit problème avec l'Élysée. Je ne pense pas que ce sera grave. C'est ça. Vous avez encore un problème avec l'Élysée. C'est le second problème, si je ne m'abuse. Le président attend. Le président est prêt. Oui. Naturellement, je ne dis pas ça. Je pense que vous pourrez rendre des comptes au président. Monsieur, c'est tout ce que j'ai à vous Mathieu, dire. Monsieur Mathieu, machin. Bonsoir. Écoutez-moi, Monsieur Prévost. Ou justement. Je voudrais simplement. Attends. Dire un mot, si vous permettez. Je le fais. Oui. Je pense qu'on. Je le dirai après. Française, Français, non,
Mes chères Françaises, mes chers Français, bonne année. Voilà bientôt 4 ans que j'eusse été Élysée. Eh ben voilà. Que sera 1979 ? Eh bien, pour le savoir, je suis moi-même allé voir le professeur en parapsychologie Jérôme Tigorine, qui est à l'avenir ce que le participe est au passé. Eh bien, Mage Tigorine... Monsieur le mage, je m'excuse. Eh bien, monsieur le mage Tigorine, oui. Que voyez-vous ? Ce fois... Je m'excuse, je ne vois rien du tout. C'est pas la bonne boule. Oh, oh, c'est exact. Il semble bien que c'est une boule de pétanque ou quelque chose comme ça. Oui, je m'excuse, hein, je m'excuse. Non, non, mais ça arrive à tout le monde. Oh, je suis confus. Filez-moi, filez-moi ma boule. Filez-moi. Tenez, merci. Merci, vous pouvez filer, filez-moi. Je m'excuse, oh, je suis désolé. Non, non, alors oublions ça, alors. Non, mais que voyez-vous vraiment? Oui, Je vois une immense lumière dans la galaxie, constellée de constellations, avec 4 étoiles lumineuses. Oui, ben ça c'est le lustre. Comment ? Je veux dire, vous voyez, le lustre a tendance à se refléter dans la boule, si bien que... Oh ! Oh ! Oh oui, oh ! Ouais. Oh, je m'excuse, hein. Oui, je m'excuse, non, là, hein. Je suis un petit peu perturbé, parce que je suis un peu fatigué, parce que je viens de me lever. Non, mais, c'est... non, mais ça devient comme un petit peu ennuyeux, dans la mesure où c'est Antenne 2 qui paye le film, oui. Là, on commence à user de la bobine pour rien, vous voyez. Alors, si vous pouviez venir au fait... Oui. Je m'excuse, oui. Hein. Je crois que c'est à cause de ma boule. Elle est fatiguée, elle est vieille, elle est usée, elle a vu tellement de choses. Ouais. Et je lui ai dit depuis longtemps de porter des lunettes. Bon. Bon, écoutez, je suis désolé, un jour elle me laissera tomber. Non, mais écoutez, non. Je m'excuse. Hein. Quand même, vous voyez bien. Je m'excuse. Vous regardez peut-être pas d'assez près, vous voyez rien, vous voyez pas. Hein. Si, je vois un homme sinistre, ouais. avec des cheveux qu'on voit pas parce qu'ils sont cassés par un turban. Je vois. Mais c'est vous, ça. Oh. Oh, je m'excuse. Hein. Non, mais c'est pas... Oh non, mais je m'excuse. Hein. C'est moi. Je m'excuse. Hein. Bon, écoute, bon, ah, franchement, moi je vous suggère une chose. Franchement, je m'excuse. Mais d'accord. Franchement, je m'excuse. Mage Tigorine. Oui, monsieur le mage. Monsieur le mage Tigorine. Nous étions convenus au début. Hein. Oui, nous étions. Nous avions dit. C'est bien entendu monsieur comme ça. Monsieur le mage. Voilà, écoutez. Parce que vous comprenez, ça m'apporte des clients. Oui. À la télévision, non, non. Si ça monsieur la machin, écoutez-moi bien et dites-moi ce que vous voyez pour 1979. Ah. Je sais pas, il y a. En 79, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour 1979, je vois... Ben, écoute, je ne vois rien du tout, c'est extraordinaire, je ne vois rien du tout, je ne vois aucune injustice dans le monde, l'humanité ne souffrira plus, tout va très très bien. Oui, mais enfin... C'est extraordinaire, je ne vois rien. Oui, mais enfin, en 79... Par ici non plus, non, non, rien. Rien, l'humanité ne souffrira pas. Voilà, c'est tout ce que je... Écoutez, je m'excuse. Non, mais c'est très bien. Je m'excuse. Elle est là, la boule. Elle le dit quand même. Je veux pas. On est d'accord. D'accord, la boule l'a dit. Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que, je ne sais pas moi, un conflit doit bien éclater quelque part dans le monde en 79. Ou... Non. Je suis formel. Et je peux le déclarer à la télévision. Oui, tu me sers dessus, Coco. Oui. J'y vais, je oui, le déclare. Oui, allez-y. En 1979, oui. Je suis formel sur ce point, je déclare formellement, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et ça, c'est ma boule qui l'a dit. Et croyez-moi, et on est là-dedans. Savez-vous que si l'on mettait bout à bout tous les boudins blancs qui seront consommés ce soir pour le réveillon, on atteindrait la distance de Paris et Limoges par la Nationale 20 sans arrêt à Châteauroux. Et savez-vous que si l'on enfilait bout à bout toutes les dindes qui seront consommées ce soir au réveillon, on obtiendrait le plus grand et le plus gros chapelet de plumes jamais réalisé. Et puisque nous parlons de dindes, merci Madame Denise, Madame la Dinde, d'avoir bien voulu participer, au péril de votre vie, il faut bien le dire, à cette émission. Madame la Dinde, vous êtes venue sur ce plateau accompagnée de votre avocat, Maître Henri Prévost, avocat à la cour. Non, à la basse cour, je m'excuse. Oui, à la basse cour. Bien. Et tout d'abord, Madame la Dinde, qu'est-ce qui vous a poussé à parler ? Oui, ma cliente dit que c'est le ras-le-bol.
C'est l'angoisse de passer les fêtes de fin d'année comme ça, toujours avec la peur au ventre, pour elle et pour ses sœurs. Oui. Et elle voudrait annoncer également la création d'un mouvement, disons, un petit peu politique. C'est le MDDR, le Mouvement pour la Défense de la Dinde Réfractaire, dont le siège se trouve dans le Vercors, au 58e bosquet, à gauche, oui, là, en sortant du petit pont. Maître Prévost, je vous en prie, pas de publicité. Mais les téléspectateurs d'Inde ou autres qui seront intéressés par ce mouvement peuvent nous téléphoner ou nous écrire. Je parlais simplement au nom de ma cliente. J'entends bien. Bien, alors, Madame la Dinde, je pense que nous sommes maintenant en mesure de montrer le film, le document extraordinaire que vous avez vous-même tourné, je crois, au péril de votre vie. Oui, enfin, disons que ce n'est pas elle, ce n'est pas ma cliente qui l'a tourné, c'est une de ses amies qui l'a tourné au péril de sa vie, dans un pays, bien sûr, où les dindes sont extrêmement maltraitées, un pays dont nous tairons le nom. Drôlier de nuit. Voilà un métier où on n'a pas le temps de s'ennuyer un soir de réveillon. Non, j'aime pas les huîtres. Il y a huîtres et huîtres. L'année dernière, à Arcachon, j'ai eu des huîtres pour presque rien. Votre réveillon sombre dans la morosité, appelé SOS Drôlier de nuit. Drôlier de nuit. Un soir de réveillon comme ça, on est complètement débordé, vous comprenez bien. Mais enfin, moi je suis drôlier de nuit pour l'instant, vous voyez, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de m'établir drôlier de jour. À quoi ça consiste? Oui, eh bien, écoutez, vous allez voir, on doit m'appeler. Normalement, on m'appelle là-dessus, quand il y a un appel, je réponds, puis on y va, quoi, vous allez bien voir. Ça manque pas d'intérêt. Salut Raymond! Bonsoir, drôlier. Ça va? Bon, mettez-nous donc deux petits noirs, bon pain. Hein. Oui. Oui, alors, qu'est-ce que... Oui. Alors, votre profession... C'est ça, on parlait donc des... Bon, il y a plusieurs écueils dans ce métier, il y en a un, notamment. Alors là, vous entendez ça? Alors voilà, ça, justement, là, vous tombez bien, monsieur le journaliste. Ça, c'est un appel pour moi, vous voyez? Alors, vous venez... Tu laisses tomber, là. Ah bon. Vous me suivez. Oui, allô, Mireille, tu m'as appelé? Oui, mon doudou. 53 de la rue du Tunnel. Oui. C'est très urgent. Oui. Ça fait trois fois qu'ils appellent. Bon, tu as pas d'autres détails? Écoute, je voudrais pas être formelle, mais je crois, d'après les symptômes, que c'est une absence totale de rire. Bon, alors, oh là là, bon, écoute, alors, j'y suis tout de suite, hein, 5 minutes, même pas. C'est le drôlier. Oui, c'est le drôlier, c'est le drôlier. C'est le drôlier. Oui, c'est le drôlier. Bonsoir, drôlier. Bonsoir. Alors, tout de suite, mise en condition. Attention, mise en condition 1. Et hop. Mise en condition 2. Et attention l'histoire. Et elle est bonne l'histoire. C'est une poule qui rencontre une autre poule. Et qu'est-ce qu'elle dit la poule? Meilleurs œufs. Attention, silence. J'avoue, il ne rit pas. Vous ne riez pas, madame. Mais non, je... Alors qu'est-ce qui se passe, madame? Mais je ne sais pas, je ne peux pas rire. Alors, madame, respirez. Respirez, cessez. Alors voilà, alors elle a
poule, qu'est-ce qu'il dit à la poule? Meilleurs œufs. Mais oui, je sais, mais je ne trouve pas ça drôle, je m'excuse. Elle lui dit meilleurs œufs. Mais oui, je sais bien, elle l'a répété plusieurs fois. Et c'est ça qui est drôle, c'est meilleurs œufs. Oui, d'accord. Elle lui dit meilleurs œufs. Non, je suis gênée, faites ça. Alors, sort, alors que tout le monde sorte. Oui. Que tout le monde sorte tout de suite, je vous en prie. S'il vous plaît, en silence. Et attention, madame, vous respirez. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, la poule? Elle lui dit meilleurs œufs. Oui, d'accord, oui, ça vient, là, je le sens. Meilleurs œufs. Meilleurs, oui. C'est une poule qui dit ça à une poule. D'accord. Meilleurs œufs, elle lui dit. Oui. Voilà. Et ben, voilà. Alors, est-ce qu'il y a le mari? Le mari. Où est le mari? Monsieur, vous êtes le mari. Félicitations, c'est un beau petit rire. Regarde, chérie. Avant de rendre l'antenne, je me suis permis d'écrire pour vous, chers téléspectateurs d'Antenne 2, un petit poème que je vous dédie tout spécialement. Comme le caniveau, la nature est givrée, dehors le froid est vif et les houx sont en fleurs, car voici que demain c'est le 1er janvier, bonne année, bonne santé, chers téléspectateurs. Oh, mais qu'est-ce donc là qui tombe en gros flocons? N'est-ce donc point la neige? Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais il est l'heure d'aller chez Tata et Tonton pour leur souhaiter quoi? La bonne année, bien sûr. Voilà, c'était ma façon à moi de présenter mes vœux pour 79. C'est étonnant, non ?